Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions infinies sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions infinies en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. Dans ce premier exercice, on va essayer de reconnaître ce qu'est une fonction infinie et à travers les exemples qui vous sont proposés, des fonctions f, g, h, i, j, k et l, on vous demande de déterminer, en argumentant, si chacune de ces fonctions est ou non une fonction infinie. Mettez cette vidéo en pause si vous le souhaitez, la correction va commencer. On me donne une fonction f ici qui est définie sur R par f de x égale à 3x moins 4. Vous devez savoir qu'une fonction infinie est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x est égal à ax plus b, et a et b doivent être des réels fixés, c'est-à-dire qu'ils prennent une valeur dans mon énoncé, et une fois qu'ils en ont une, eh ben, ils n'en changent pas, ce sont des paramètres à ne pas confondre avec x, qui lui est la variable, c'est l'antécédent de ma fonction. Ici, dans l'exemple qu'on m'a proposé, on a clairement 3x moins 4, on a donc a qui est égal à 3, et b qui est égal à moins 4. Cette fonction-là est donc bien définie sous le schéma f de x est égal à a fois x plus b, avec a qui vaut 3, b qui vaut 4. Il s'agit bien d'une fonction infinie. On me donne maintenant la fonction g définie par g de x égale à 6 moins 2x. Attention au petit piège, cette fonction, en fait, peut se remettre dans l'autre sens, moins 2x plus 6. On sait que l'addition est commutative. 6 moins 2, c'est pareil que moins 2 plus 6. Et en l'écrivant comme ça, on fait bien apparaître a qui vaut moins 2 et b qui vaut 6. Il s'agit donc bien d'une fonction infinie. Repérez bien donc le coefficient directeur qui n'est pas toujours forcément le premier terme. Ici, il vaudrait moins 2 et le coefficient b qui vaut 6. La fonction h définie par h de x est égale à moins x est bien aussi une fonction infinie puisqu'on peut l'écrire moins x plus 0, et du coup a vaudrait moins 1 et b vaudrait 0. Dans ce cas particulier où b vaut 0, on appelle ces fonctions des fonctions linéaires, vous devez connaître ce vocabulaire, c'est-à-dire que c'est des fonctions relatives à des situations de proportionnalité, il n'y a pas de constante derrière, 3x moins 7x, etc. Les fonctions linéaires sont donc un cas particulier de fonctions infinies. On me donne maintenant la fonction i définie par i de x égale à 2x carré moins 3. Attention, là on voit apparaître un carré, et dès qu'on voit apparaître une autre puissance de 1 sur x, on sort complètement du schéma des fonctions infinies, on n'est pas dans un schéma a fois x plus b, puisque ici, là, dans ma fonction infinie, c'est forcément des x puissance 1, il n'y a pas de carré. Donc ce schéma-là n'est pas une fonction infinie, on la rejette, elle ne rentre pas dans le moule a fois x plus b. On me donne maintenant la fonction j définie par j de x est égal à moins 2 sur x, moins 4, on reconnaît quelque chose qui peut ressembler un petit peu à une fonction infinie, mais attention, le x ici, la variable, est placée au dénominateur. Et dans le schéma qu'on a, nous, d'une fonction affine, f de x est égal à une constante multipliée par x plus b, x est donc placé au numérateur. Ici, en divisant par une variable, cela poserait des problèmes, notamment pour la valeur 0. Cette fonction-là est bien plus compliquée, elle n'est pas sous le schéma a fois x plus b, ce n'est pas une fonction affine. K de x égale à pi x moins racine carrée 2, c'est un exemple qui est peu sympathique, mais si vous avez compris ce que sont ces nombres pi et racine carrée de 2, ces deux nombres-là sont bien des nombres réels, et donc cette expression-là est bien sous la forme a fois x plus b, a valant pi et b valant moins racine carrée de 2. Et enfin, le dernier cas de figure, la fonction l définie par l de x est égale à moins 3. Il s'agit bien d'une fonction affine aussi, définie sous la forme a fois x plus b, la difficulté ici étant que a est nul et b vaut moins 3. C'est donc 0 fois x moins 3. Il s'agit bien d'un cas particulier de fonction affine. On appellera ces fonctions-là des fonctions constantes. C'est un cas particulier peu intéressant, mais qu'on rencontre parfois. Ça vaut le coup de les connaître. Les fonctions constantes, tout comme les fonctions linéaires, sont des cas particuliers des fonctions affines. Cette vidéo est terminée, vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguyon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like, bon courage.